Il va être papa en 2022, titre Cloche sort cette semaine. En une, Éric Zemmour et Sarah Claffaut. Les avocats du polémiste des extrêmes droites ont annoncé leur intention d'attaquer en justice le magazine qui affirme dans son numéro publié vendredi que sa conseillère Sarah Claffaut attend un enfant de lui, après un échec jeudi d'interdire la publication du magazine People. Le magazine Cloche sort vient de publier, contre toutes les règles de la déontologie journalistique, un article portant gravement atteinte à la vie privée et au droit à l'image de M. Éric Zemmour et de Mme Sarah Claffaut, écrivant dans un communiqué Maître Olivier Pardo et Laurence Doxin-Odelec, avocat du candidat putatif à la présidentielle, ainsi que Maître Simon Oliven, conseil de Sarah K. Nos clients engagent immédiatement une action en justice, ajoute-t-il. Maître Pardo a précisé à l'AFP qu'il déposerait une assignation pour violation de la vie privée lundi ou mardi. Quoi qu'il arrive, toujours et partout, je défendrai jalousement, férocement, ma vie privée et celle de mes proches. La vie publique, oui. Le voyeurisme, non. Désolé pour les pervers, indique Éric Zemmour dans un tweet. Dans son numéro paru vendredi, le magazine affiche une photo du polémiste se promenant dans la rue, bras dessous avec sa conseillère. Jeudi, l'avocat de Sarah Claffaut avait assigné Cloche sort en refaire pour obtenir en urgence l'interdiction de ce numéro, une information revenue par Le Point. Mais cette demande a été jugée irrecevable par le tribunal, qui a estimé que Sarah Claffaut n'avait présenté aucun élément objectif probant relatif à l'article, et son contenu permettant d'établir la publication dans le magazine Cloche sort apparaître le 26 novembre 2021 d'un article qui porterait atteinte au respect du à l'intimité de la vie privée de la demanderesse, à l'exception des 1. Mi-octobre, Éric Zemmour avait déjà assigné en justice les magazines Paris Match, Cloche sort et Voici pour atteinte à la vie privée. Il a signé notamment Paris Match, qui a fait ça une fin septembre sur sa proche conseillère Sarah Claffaut, et Voici, pour des photos et un texte sur la proximité entre les deux.